Déjà mercredi 26 juillet 2023, mesdames et messieurs, bienvenue à ce bulletin de météo. Ravi de vous informer, nous sommes dans la ville de Kinshasa. Température maximale 32 degrés Celsius dans cette ville. Elle baissera à 19 degrés Celsius. Nous remarquons que nous avons la présence du soleil en pleine journée, mais bien sûr, le nuage apparaîtra de temps en temps pour essayer de cacher le soleil. Aucune humidité dans la ville de Kinshasa, mais un vent circule entre 14 à 30 km par heure. C'est le soleil aussi dans la ville de Mbujimayi, mais bien sûr, la présence de nuages apparaît dans cette ville, mais cachée derrière le soleil. C'est le contraire pour la ville de Kinshasa. Température maximale, il est 37 degrés Celsius de chaleur dans la ville de Mbujimayi. Elle baissera en fin de journée à 18 degrés Celsius. Aucune humidité s'est présente dans cette ville, mais un vent circule entre 9 à 23 km par heure. Bonjour dans la ville de Matadi avec le soleil qui se cache derrière le nuage, 26 degrés Celsius de chaleur et elle baissera à 18 degrés Celsius minimal. Aucune humidité pour cette ville, mais un vent circule entre 10 à 24 km par heure. Le soleil apparaît aussi dans la ville de Kindu, mais devant maintenant le nuage. Le contraire dans les autres villes, bien sûr. Température maximale est de 37 degrés Celsius à 21 degrés Celsius minimal. La chaleur, elle est ardente dans la ville de Kindu. Je vous conseille d'avoir des bouteilles d'eau de temps en temps sur vous. Aucune humidité, mais un vent circule entre 11 à 26 km par heure. Butembo, c'est la pluie qui s'annonce dans cette ville. Température maximale de fraîcheur 24 degrés Celsius parce que la présence aussi de soleil apparaîtra bien sûr de temps en temps mais cachée derrière le nuage. Et il fera froid dans la ville de Butembo dans la soirée 13 degrés Celsius. Humidité 80% d'humidité et un vent circule entre 8 à 30 km par heure. Nous sommes dans la ville de Kikwit. Cette température montre que 35 degrés Celsius apparaîtra bien sûr dans la ville avec un soleil ardent, bien sûr, pendant la journée et elle baissera à 21 degrés Celsius. Humidité, aucune humidité s'est présente dans cette ville, mais un vent circule entre 8 à 23 km par heure. C'est aussi les pleins soleils dans la ville de Bandundu ainsi que Kolwezi. Température maximale 34 degrés Celsius de chaleur pour la ville de Bandundu et 28 degrés Celsius pour la ville de Kolwezi. Bien sûr, il fera froid le soir dans la ville de Kolwezi à 15 degrés Celsius, aucune humidité, mais un vent circule entre 23 à 49 km par heure. Et dans la ville de Bandundu, c'est 34 degrés Celsius de chaleur pour cette ville et elle baissera en fin de journée à 20 degrés Celsius. Aucune humidité s'est présente dans les deux villes, comme nous le voyons, mais 12 à 30 km par heure de vent pour la ville de Bandundu et 23 à 49 km par heure de vent pour la ville de Kolwezi. Tandis que la ville de Goma, c'est la pluie qui s'annoncera bien sûr après la présence du soleil qui est souhaitée pendant la journée, 26 degrés Celsius, et elle baissera à 17 degrés Celsius. Humidité 30% et un vent circule entre 11 à 25 km par heure. Nous sommes dans la ville de Mwanda. Cette ville présente une température maximale de 25 degrés Celsius à 20 degrés Celsius minimal. Les nuages couvrent le soleil qui fait en sorte que la chaleur ne soit pas ardente. Bien sûr, aucune humidité pour la ville de Mwanda, mais un vent circule entre 14 et 23 km par heure. C'est le soleil qui apparaît devant le nuage dans la ville de Kalimi, 29 degrés Celsius en début de journée et elle baissera de temps en temps à arriver à 17 degrés Celsius pour donner une fraîcheur. Bien sûr, aucune humidité s'est présente dans la ville de Kalimi, mais un vent circule entre 18 à 47 km par heure. C'est les pleins soleils dans la ville de Lubumbashi ainsi que Kananga, 27 degrés Celsius pour Lubumbashi et une forte chaleur dans la ville de Kananga à 36 degrés Celsius maximum. Bien sûr, dans la soirée, il fera froid pour Lubumbashi, 13 degrés Celsius et 19 degrés Celsius pour la ville de Kananga. Aucune humidité se présente aussi pour les deux villes, mais un vent circule entre 20 à 42 km par heure pour la ville de Lubumbashi et 9 à 21 km par heure pour la ville de Kananga. Oui, nous sommes dans la ville de Kisangani. Le soleil apparaît dans cette ville, mais comme nous le voyons, nous le remarquons qu'il n'est pas vraiment visible parce que c'est les nuages qui apparaissent devant le soleil pour calmer juste la chaleur dans la ville de Kisangani. 32 degrés Celsius de chaleur régnera bien sûr à 22 degrés Celsius dans la soirée. Aucune humidité s'est présente dans cette ville, mais un vent circule entre 13 à 28 km par heure. Et pour terminer, nous sommes dans la ville de Pamina. Cette ville présente un soleil pendant la journée, 33 degrés Celsius de chaleur à 18 degrés Celsius minimal. Aucune humidité pour la ville de Pamina, mais un vent circule entre 16 à 36 km par heure. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce bulletin. Je vous retrouve demain à la même heure.